Nous donnons gloire à la parole de Dieu. We give glory to the word of God. Seigneur Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. We are going to bow down our head for a short prayer. Après, on va lire la parole de Dieu. Afterward, we are going to read the word of God. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette occasion. Father, we want to give you thank you. Tu nous accordes pour que nous parlions de ta part. For speaking to us so that we may share your word on your behalf. Donc, à ce moment, Seigneur Jésus. We want at this moment you shall come down by glory to use us afin que tout ce qui sortira dans notre bouche, so that whatever word shall come from our mouth soit ainsi dit l'Éternel, shall be as word as said the Lord. Que la chair disparaisse à ce moment. May mon shall disappear as que le sentiment disparaisse à ce moment notre Dieu. May our own flesh shall disappear. Que toutes les distractions disparaissent dans mes pensées. Every disturbance disappear in the church. Et que mon âme soit connectée avec ton trône. My soul shall be connected to your throne. Pour recevoir les choses que tu as préparées pour annoncer à ton peuple. To receive the things which you prepared to announce your people. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of our Lord Jesus. Amen. Amen. On peut se mettre debout. We may stand up on our feet. Pour lire la parole de Dieu. To read the word of God. Dans le livre de Genèse, chapitre 21. In the book of Genesis, chapter 21. Le verset 8 jusqu'au verset 21. From verse 8 to 21. Genèse, chapitre 21. Genesis, chapter 21. Le verset 8 jusqu'au verset 21. Mais nous allons lire seulement, commençant par le chapitre, toujours par le verset 14 jusqu'au verset 20 pour épargner le temps. We are going to start from verse 14 for us to get time. Nous commençons, je pense que tout le monde est déjà à la place, à la page. I believe we're all there. Je vais lire avec les difficultés que j'ai pour la vue. I will read with the difficulties I have for the view. Okay. En Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Le verset 14 jusqu'au verset 20. Verse 14 to 21. Abraham se leva de bon matin. Je pense qu'on peut aller directement vers l'interprète. Okay. All right. Abraham se leva de bon matin. On va sortir de Abraham. Et il prit du pain et autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se gara dans le désert de Beersheba. Verse 14, the Bible says, early in the morning Abraham got up to bread and water him, put them on Agar's shoulders, and sent there and the boy away. She left and wandered in the wilderness of Beersheba. So quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. When the water in the skin was gone, she left the boy under one of the bushes. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant, et s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Then she went and sat down nearby, about a bow short away, for she said, I can't bear to watch the boy die. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela au ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar, ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. God heard the voice of the boy, and the angel of God called Agar from heaven and said to her, what's wrong, Agar? Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main. Don't be afraid, for God has heard the voice of the boy. Car je ferai de lui une grande nation. God has heard the voice of the boy from the place where he is. Get up, help the boy up, and strengthen him, for I will make him a great nation. Chapitre 19, le verset 19, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Then God opened up the eyes, and she saw a well of water, so she went and filled the water skin and gave the boy a drink. Et Dieu fit avec l'enfant qui avait grandi, habitant dans le désert, et devint un tueur d'art. God was with the boy, was with the boy, and he grew and settled in the wilderness and became a Naka. Nous avons terminé l'étude.
Verse 21. Je voudrais souhaiter que tu puisses donner toute l'attention à ce passage ici. I would like you to give your all the attention to this reading. C'est le passage le plus impressionnant de ce chapitre ici. This is the very impressionant verse of this chapter. On dit car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant, pas les cris de l'enfant, pas les pleurs de l'enfant, mais la voix de l'enfant où là où il est. God heard the voice of the boy in the hand of God's daughter. On peut s'asseoir, merci, que Dieu vous bénisse pour vous. May God bless you. Nous continuons avec le même thème de la fois passée. We continue with the same theme the last time. Que le pasteur Valentin a intervenu. Which the pastor Valentin spoke about it. Et en passant, je lui remercie beaucoup pour la confiance qu'il nous a cédé. By passing, devant vous. I thank you for the privilege he gave us to be in front of you. Pour parler de la part du Seigneur. To speak on behalf of God. Alors je suis un orateur qui parle beaucoup. I am a preacher who talk quite much. Alors je pense bien juste à quelle heure je vais terminer. I want to ask what time should I finish? À 9h30. Oh, voilà. C'est-à-dire j'ai 45 minutes pour parler. I have 45 minutes to speak. Que Dieu soit béni pour ces passages ici. Alors, je remercie tous les hommes de Dieu qui sont présents ici. I thank you, you all men of God present in this place. Alors, merci pour votre prière, votre soutien pour que cet événement puisse se passer dans de bonnes conditions. We thank you for your effort and your prayer for this time. Et merci pour le peuple de Dieu qui a accepté d'être fidèle et membre de cette église. And we thank you all those who are members of this church. Et je pense que vous ne serez jamais déçus. I believe you will never be deceived. Pour les choix que vous avez fait. For the choice you have made. Les choix de l'église et les choix du salut aussi. The choice of church is the same choice of salvation. S'il y a parmi beaucoup de cantiques chrétiens qu'on a composés que j'aime pas, il y a un seul cantique que je n'aime pas. Yeah, there are many songs which they sing, but there's one song which I don't really like. Cette chanson dit qu'aucune église n'amènera quelqu'un au ciel. And it is a song which says no church will take someone to heaven. C'est la seule chanson que je n'aime pas parmi toutes les chansons qu'on a composées. It's a song which I don't like among the all, among all songs. Hallelujah. Amen. Amen. Je n'ai jamais écrit ça. I've never liked it. Voilà, nous allons parler aujourd'hui sur un thème intitulé le ministère de la croix. We are going to speak about the ministry of the cross. C'est pourquoi j'ai appelé ça la suite du thème ou bien le message de la croix passée. That's why I said the following half of our message, our last message. Selon le pasteur Valentin, la croix passée nous a défini un mystère. Il nous a parlé sur le mystère de l'alliance. And last time, Pastor Valentin spoke to us about the mystery in the covenant. Et il nous a dit que le mot mystère signifie un secret. It says a mystery, it is a secret. Alléluia. Amen. Un mystère, c'est un secret. A mystery, it is a secret. Donc, on peut parler aussi sur le secret de l'alliance. We can speak about the secret in the covenant. Alors, quand je suis rentré moi-même, when I came back to myself, le Seigneur a mis dans mon cœur. The Lord put something in my heart. Le texte que j'ai préparé toute la semaine. And the whole thing I prepared for the whole week. Seulement ce matin que le Seigneur m'a convaincu de choisir ce thème ici, le mystère de la croix. Is this morning God convinced me to choose as a theme as the mystery of the cross? Qui signifie le secret de la croix? Which means the secret of the cross. Alléluia, Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. J'ai toujours mal compris. I always understood very wrong. Pourquoi s'il faut parler sur la mort du Seigneur, on va toujours le faire pendant la période de la Pâque? Why should we speak about the death of our Lord Jesus Christ through the days of East or Passover? C'est vrai que nous sommes restés avec un mois seulement pour aller à la période de la Pâque. We have one month remaining for us to go after the time of the East. Je souhaitais parler sur le mystère de la croix qui est la mort du Seigneur Jésus. I'm going to speak about the mystery of the cross, which is the death of Jesus. Il fallait faire la théologie au niveau le plus élevé du monde. If you can do theology in a very place in the world. Il fallait faire la spécialisation. If you shall specialize.
comme les gens font la spécialisation dans la pédiatrie, dans la gynécologie, moi je choisirais faire la spécialisation sur le mystère de la foi. As people choose all this profession, if I want to choose something, a profession to do, I will professionalize myself in the mystery of the cross. Pourquoi Dieu a choisi la croix? Why God has chosen the cross? Pour que ça soit l'occasion pour occasionner la mort du Seigneur Jésus-Christ. Is that to give an occasion to the death of Jesus? Alléluia. Nous avons trois réponses ici. We have three answers here. Aujourd'hui, je vais prêcher comme étant l'étude de la Bible. Today I'm going to preach as the lecture of the Bible. Je poserai aussi certaines questions pour me faire comprendre. I will ask you some questions for myself to get the understanding. Nous avons trois raisons. We have three reasons. Pour ceux qui écrivent. For those who are writing. Pourquoi Dieu a choisi la croix? Why God has chosen the cross? Dieu a choisi la croix. God chose the cross. Parce que Christ est né sans péché. Because Jesus died without sin. Alors si Jésus-Christ était né avec le péché, if Jesus was born sin, alors Dieu ne peut pas choisir la croix pour sa mort. Then God will never choose the cross for his sin. Donc Dieu a choisi la croix. God chose the cross. La première raison. The parce que Christ est né sans péché. It is because Christ was born without sin. La deuxième raison que Dieu a choisi la croix. The second reason God chose the cross. Parce que because la mort, death, a le pouvoir at the power sur une personne on somebody. Si la personne a tellement péché, if the person has sinned, je vais répondre ça. I want to la mort there a l'impact at the impact dans la vie d'une personne in the life of somebody. Si la personne a péché, if only the person has sinned. La troisième raison, the third reason que Dieu avait choisi la croix, God has chosen the cross, c'est parce que because c'était déjà un lieu considéré un lieu de la malédiction. It was a place which was considered as a cursed place. Alléluia, Église. Amen. Je vais te montrer une chose. I want to show you something. Jésus-Christ, Jesus Christ, étant né, was born sans péché, without sin. Il était impossible. It was impossible que Christ soit tué. For him to be killed. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Are you agreeing with Jésus-Christ, quand il est né, Jesus Christ, when he was born, il était immortel. He was an immortal God. Jésus était immortel. Jesus was immortal. Jésus ne pouvait pas mourir. Jesus could never die. Pourquoi? Why? Parce qu'il n'avait pas le péché. Because there were no sin in him. Rappelez-vous dans la Bible. The word of God. On dit le fruit de la mort c'est quoi? It says the word of sin. Le fruit de la mort c'est le péché. The word of sin is death. Parce qu'il y a une seule chose qui peut donner la force à la mort. There is only one thing which can give power. Cette chose c'est le péché. What the thing is the sin. Je voudrais donner un exemple. I want to give an example. Vous avez un ballon. You have a balloon. Un ballon de vous appelez le gouvernement. A balloon. Amen. Amen. Alors, on te donne un examen. We give you an exam. On dit, prends ce ballon-là. Say, take this balloon. Fais un effort que ça puisse enfoncer dans les profondeurs des eaux. Try your best to dip it right in the this to dip in the water. Après, tu auras venu la quotation. After what, you shall bring the quotation. Après, vous te donnez le point. And then we are going to quote you. What are you going to do for the balloon to get in the water? Who want to answer this question? Must keep the hair. Oui, maman. Oh, voilà, maman, exactement. C'est tout ce que j'ai écrit ici dans le cahier. Amen. Exactly. This is what I wrote in my. On va mettre une pierre. We shall take a stone. Ce n'est pas une petite pierre. Not a small. On va mettre une pierre ici. Qui a mis une masse supérieure au ballon d'air. We are going to tie a stone with us with the word which is quite superior to the balloon. It's by the grace of the balloon. Mais le ballon va s'enfoncer là-bas. The balloon will go in different world. Alléluia. Amen. C'est la même chose avec la vie de Jésus. It is a something with Jesus. Jésus-Christ ne pouvait pas mourir. Jesus will never die. Alléluia. Il ne pouvait jamais mourir. He could never die. Parce qu'il a choisi l'occasion de la croix. The cross took the question on the cross. Parce que la croix était le seul moyen. Because the cross was the qui portait déjà le péché. Because it was carrying sin. Qui portait la malédiction. Which was a curse. Amen. Amen. Dès qu'il y aura la présence, le contact entre la croix et le Seigneur. After being in the contact with the cross. Ça va occasionner sa mort. That will be an occasion with death. I don't know if you're understanding. Il y a des bruits, je ne sais pas si le micro est ici, mais là, ça fait beaucoup. Ah, il y a des choses à maîtriser ça. Voilà. Nous avançons encore. We are continuing. Je venais de dire ceci. I said this. Le voile était la seule occasion. The world was the only occasion. Qui pouvait occasionner la mort du Seigneur. Beaucoup allowed the death of Jesus. Il y avait déjà un message que Jésus avait déjà déposé depuis le présage. Because on the cross there was a message with God has put already on there. Laissez-moi vous donner un exemple. Let me give you an example.
Comment Jésus-Christ il joue avec la mort? How did Jesus play with death? La Bible dit. Jesus, the Bible says. C'était en plein voyage avec les disciples. He was in his journey with his disciples. Dans la pirou. In a boat. Amen. Amen. Dans les vagues. When the flow. When the winds and the waves were floating the boat, the boat away. The Bible says he was sleeping. He was sleeping deeply. Do you know why he was sleeping? Jusqu'à ce niveau, je suis encore immortel. I'm still immortal. I don't know if somebody's understanding. When Jesus walked on water, pourquoi il était pas enfoncé? Why Jesus could never be drawn? Because after the point, il est encore immortel. He was immortal. Tout ce qu'il pouvait faire, whatever he could do. Écoute une chose. Listen. Vous savez pourquoi le diable à la tentation il a dit au Seigneur que non, va à la montagne, jette-toi, tu consoles. J'ai ordonné les anges, tu consoles. You know why the devil took Jesus on the mountain and said, "Jump yourself, God, and give order to angels." Ça on appelle ça le mystère de Satan. This is what they call the ministry of destiny. Il n'a pas de péché. He doesn't have sin, and he wants to see if he's going to jump to obey so he may see. Même s'il allait sauter. Even though he jumped, il ne pouvait pas mourir. He could never die. Parce que, because lui n'avait pas les péchés. Because in him there were no sin. Je vais vous expliquer une chose. I want to explain to you. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Pourquoi Christ n'est pas mort? Why Christ did not die? Parce que, because en lui, in him, je parle de la mort avant l'âge, bien avant le temps qu'on a. I am speaking about the death before time and after what you have said. Because in him there was no wrong. Every time he was asking, who can convince me about sin? Maintenant, nous passons à l'autre point. We are moving to the other point. On the definition of the meaning of death. What's the meaning of death? By taking the first meaning. La mort, c'est quoi? Death is. La mort, c'est. Death is. Le départ de l'esprit de Dieu. The moving of the Spirit of God. Dans l'esprit de l'homme. The living of the Spirit of God from the Spirit of God. When the Spirit of God moves from the main spirit, this is what we can define as death. After this, death is the separation between God and a man. I have many people those who are writing messages. This is a good job when I was converted. I used to write whatever it was saying. Troisième définition de la mort. The meaning of this. La mort, c'est quoi? The death is. La troisième définition. The first c'est meaning. Quand l'esprit de l'homme le quitte. Is when the spirit of the main spirit leaves him. Je vais rappeler tout quickly. I want you. La première définition, la mort, c'est quoi? The first la mort, c'est quand l'esprit de Dieu se déplace dans l'esprit de l'homme, il part. The first meaning is that when the spirit of God leaves the spirit of man. La deuxième définition. And the second is la mort, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. The second is the la troisième définition, la mort, c'est quoi? The death is. La mort, dans la troisième définition, c'est que c'est quand l'esprit de l'homme quitte son corps. When the spirit of man leaves his body. Maintenant, écoutez une chose. Listen one je voudrais faire une démonstration. I want to show you a demonstration. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin de Dieu. When God created the man in the garden. Alléluia. Amen. Dieu a créé aussi dans le sixième jour. God created him on the sixth day. Un personnage qu'on ne parle jamais. This is a thing which we don't speak about. We are speaking about the mystery of God. Beside the man on the sixth day, there was somebody who God created. And we don't talk about it. We don't talk about it. We just say the sixth day God created a man. The person don't create. Who can answer this? Qui peut répondre? Who can answer this? No one. Amen. Amen. Le sixième jour. The sixth day. Quand Dieu a créé l'homme, il a terminé. When God created a man and he was done. Dieu a créé la mort. God created death. La mort n'est pas l'invention du diable. Death is not the invention. La mort, of the c'est Dieu lui-même qui a créé la mort. Then God himself created it. Amen. Amen. La mort, la Bible dit tout ce que Dieu a créé était bon. C'est-à-dire la mort. Autre forme peut dire la mort est bon puisque Dieu a dit que non, tout ce qu'il a créé est bon. God said everything he created is good, so even death is good. Maintenant, nous allons réfléchir ensemble. We want to think together. Pourquoi Dieu a créé la mort? Why God has created death? Dieu a créé la
armor, God created the thing, pour que ça soit un bouclier, so that it shall be a shield. It shall be a shield to allow us to be taken to this world. When God created Adam, il a placé à côté de l'arbre. He pushed it for him right beside of a tree. And it gave him the very city of God. You may eat all the fruit in the garden. Except, ou bien à l'exception des arbres ici. Excepting the tree. Alors, la troisième personne était là. The fourth person was dead. La troisième personne, c'est qui? C'était la mort. The third person was dead. Alléluia. Amen. La dernière réunion. In our last meeting. La dernière réunion. In the last meeting, que Dieu a eu avant de quitter Adam et Eve. The last meeting with God as before la he left Adam and Eve. This is the meeting with God as with la première personne c'était Adam. The first person was Adam. La deuxième personne c'était l'arbre. And the second things were dead. Et la troisième personne c'était la mort. And the third thing was dead. Ils étaient au nombre de quatre. They were four. Écoutez très bien. Listen very well. Ils étaient au nombre de quatre. Dieu, Adam. They were four. L'arbre et quoi? There were four, God, Adam, the three. Toi, Adam. God said, you, Adam. Ça, c'est moi, je suis Adam. Non, Adam, plutôt. I am Adam. Ça, c'est l'arbre. This is the three. Et de l'autre côté, c'est le péché. On the other side, see. On suppose que lui, c'est le péché, puisqu'il est là-bas. La mort, voilà. I consider I am dead. Mais tu n'es pas la mort. I am not for sure. Aujourd'hui, quand la prédication termine, maintenant, tout le monde le titre. I am not indeed. Amen. Amen. Mais là, Dieu dit ceci. And God said this. Le jour que tu toucheras. The day you touch, que tu mangeras de tes fruits, the day you eat from this fruit, toi la mort, you dead, tu vas le tuer, you are going to kill him. Alléluia. Amen. Ça dit Dieu a inventé la mort. God invented death. Mais quand Dieu a inventé la mort, but after God invented la mort était impuissant. God said death was la mort n'avait pas de lion. It was powerless. La mort n'avait pas de pouvoir sur l'homme. It has no power on a man. Alléluia. Amen. Qui a donné la mort le pouvoir? If who gave the power? C'est le péché. It was sin. Et qui a donné le pouvoir au péché? What gives power to sin? It is the man who gives power to sin. La mort était là. Aussi longtemps. As long as. L'homme n'avait pas mangé ce fruit-là. The man did not eat the fruit. La mort était impuissante devant l'homme. Death was powerless before the man. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. I don't know if you understand. Aussi longtemps. As long as. L'homme n'avait pas touché à cet arbre-là. The man never touched. La mort ne pouvait rien faire dans sa vie. Death could never do anything to the man. C'est pourquoi j'ai tué au départ. That's what I said from the beginning. Jesus Christ was immortal. With glory was. Because in him there were no sin. Alors l'homme n'avait pas les péchés en lui au départ. He who had no sin from the beginning. La mort ne pouvait rien faire. Death could not do anything in him. Parce qu'il n'avait pas encore touché. Because he never touched the tree. Alléluia. Amen. Mais dis-moi quelque chose. Listen one thing. Le jour où il a touché l'arbre. The day he touched the tree. Qu'il a mangé le fruit. The day he had the fruit. La Bible dit. The Bible says. Non, il y a beaucoup de choses que je dois parler, mais un peu de temps. There are many things I want to speak about, but qui a mangé? Who had? Qui était la première personne à manger le fruit? Who was the first person to eat the fruit? Qui? Eve. N'est-ce pas? Eve. Mais quand Eve a mangé le fruit? When Eve had the fruit. Il y a eu combien de temps? Intervalle de combien de minutes depuis que le temps qu'elle va manger jusqu'à donner à son mari? Intervalle de combien de temps? There were how many times for him to give the fruit to the husband? J'ai pas l'attitude de lui, mister. Till today, until now, we don't know. This is a mystery. It took time. Qui s'est posé la question? Have you ever asked the question? Le temps qu'elle a pris le fruit? The time he took the fruit. Elle a mangé cela. And she ate it. Rien ne s'est passé. Nothing happened. Rien ne s'est passé. Nothing happened. Amen. Amen. Mais quand seulement, when Adam, when Adam a mangé cela, had the fruit, la Bible dit, en anglais, suddenly, comment est-ce qu'on peut dire ça en français? Immédiatement. Suddenly. Elle va manger, rien n'était passé, comme rien n'était. Suddenly, something happened. Adam a mangé. When Adam ate. Suddenly. Immédiatement. Suddenly. Les deux se sont trouvés naked. Two of them, they find themselves naked. Hallelujah. Amen. Ça, c'est un mystère. This is a mystery. On parlera ça le jour prochain. We'll speak about it next time. Je vais vous expliquer pourquoi quand Eve a mangé, rien ne s'est fait. Et là, on va rester à la majesté. I want to tell you why when Eve had si Adam a mangé, je sais pas, c'est 3 heures du temps, après du temps, beaucoup de temps. If Adam was there for 4 hours or 3 hours, and what she ate. On parle sur le mystère. We're talking about the mystery. Peut-être le prédicateur qui va passer la semaine prochaine, il va parler aussi. Je sais pas, puisque on est en train de déballer sur le mystère. I believe that the man who's going to come next time shall go to the same thing, the mystery. Alléluia, peut-être que Dieu. Amen. Quand ce mort a mangé, when Adam ate, ils sont morts les deux. They died, all of them. À cause de la promesse de Dieu. Listen. Qu'est-ce que Dieu avait dit? What did God say? Dieu a dit une chose. Listen. Dieu a dit le jour où vous mangerez. They tell you each. Non, pas le lendemain que vous mangerez. Not the next day. Pas après cette semaine que vous mangerez. Not after
after 2 weeks. Après 3 mois que vous mangerez. After 3 months. Le même jour. Say the same day. Mais que vous mangerez. After eating. Maintenant vous allez mourir. You are going to die. Alors je pose la question. I'm asking you. Est-ce que Adam était mort le même jour? Did Adam die the same day? Hallelujah. Amen. Oh Jesus. Est-ce qu'il était mort le même jour? Did Adam die the same day? Qui peut répondre? Who can answer the question? Qui peut répondre à la question? Who can answer this question? Si pas le lendemain, pas après le second. Don't say no. Le même jour que tu mangeras, tu mourras. He said, the day you shall eat, you die. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you something. Après avoir mangé le fruit. After eating the fruit. Abraham vécut 930 ans. The Bible says Adam lived, he lived for 930 years. Amen again. Amen. Est-ce qu'il était mort le même jour? He didn't die the same day. Il était mort le même jour. He didn't die the same day. Qui peut répondre? Même frère Roger, comme nous l'avons dit. Il était mort le même jour. Did he die the same day? Parce que j'ai dit, il était mort le même jour. Ah, je peux dire oui parce que j'ai dit que non. La mort. Voilà. On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Je comprends qu'il est en train de comprendre le message. I understand that he is understanding the message. Dieu ne ment jamais. God does not lie. Adam était même mort le même jour. Adam died the same day. Selon la définition de la mort. According to the definition. La mort de quoi? C'est-à-dire quand l'esprit de Dieu. When the spirit of God. Fear the Lord. Is out of a man. C'est ça la mort. This is death. Alléluia. Amen. C'est moi aujourd'hui. Il y a des morts vivants. They are living dans l'esprit de Dieu dans la vie d'une personne. Without the spirit of God in somebody's life. Alors une personne qui est morte doit donner l'essence à une personne qui est morte. The person may give birth, but the person is dead. There are people those who are living dead. Because the Spirit of God is not dead. Hallelujah. Amen. Merci pour m'avoir suivi. Thank you for following me. Vraiment, c'est amazing. This is amazing. Maintenant, je voudrais dire une chose aussi. I want to tell you something here. Nous parlons sur le mystère de la mort. We are speaking on the mystery of death. Et nous voulons expliquer qu'est-ce que c'est la mort. We want to explain what is the meaning of this. Et pourquoi Dieu a choisi la mort? Why did God choose? Pourquoi Dieu a choisi la croix? He chose the cross. La mort était mauvaise. Death was bad. Non, la mort n'est pas mauvaise. Death is not bad. Dieu a créé la mort. God created it. C'est pas pour une mauvaise intention. It wasn't for a bad intention. L'homme qui a donné la force au péché. It's the man himself who gave power. Dieu a donné la force à la mort. Sin give power to death. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, écoute une chose, bien aimé dans le Seigneur. Listen one thing. Maintenant, nous rentrons jusque là, on n'a pas encore exploité ce que je viens de parler. We have speak about what I've said. Le texte que je venais de lire ici. The text I've read. Maintenant, rentrons maintenant aux Écritures. We are going back to the two Écritures. Nous sommes même pendant la période de la croix. La période de la Pâque plutôt. And we are going through the time of Easter. Nous célébrons la Pâque. We are celebrating la Pâque Easter. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Easter is the celebration of Jésus the death of our Lord. Ne pas fêter sa naissance, mais fêter la mort. Say, do not celebrate Jésus my death. Jésus n'a pas dit de fêter la résurrection, il dit de fêter la mort. My death. Parce qu'il savait que la mort c'est une bonne chose. Because he knew that death is a good thing. Amen. Un enfant de Dieu, celui qui craint Dieu. A child of God. Celui qui n'a rien à faire de Dieu. Jésus était arrêté. Jesus was arrested. Quand Jésus était arrêté. When he was arrested. La Bible dit. The Bible says. On avait exposé sur la croix. He was exposed on the cross. Quand Jésus était exposé sur la croix. When Jesus was exposed on the cross. La Bible dit il y a des gens nombreux qui venaient là-bas. The Bible says that people were coming. Il avait la croix. Even passengers were passing down. Because on the cross there was a mystery. La Bible dit ceci. The Bible says. Les gens qui étaient là. People that were there. Aux environs de la croix. Around the cross. Même les soldats. Even the soldiers. Ils se moquaient de Jésus. They were mocking Jesus. Ils se moquaient de Jésus. They were mocking Jesus. The Bible says. Même les pasteurs. Even the pastors. They were mocking Jesus. Oh, Jesus Christ. The mystery of the cross. Amen. Amen. But today, people are going to Jerusalem to do the tourism. They are traveling. There was a pastor last time. A prophet called John Kadima. He is the leader of the diaspora. He's the leader of diaspora. The person who replaced Alem Loto by this vision of Eden. He's the person who replaced Alem Loto on the vision of Eden. They want to visit Jerusalem.
He went à Golgotha. To Golgotha. Il m'a envoyé la photo par. He sent me a message. Yeah, but the pastor stayed in. Those are the people that watch my videos. And when they reached the road, they started crying. They took the flag of the EFC there. They call and they were crying. There's nobody today who can, pay a ticket to go to Golgotha and pray. Golgotha is a place of mystery. It's after the Lord. When you get there, j'ai dit souvent le jour que Dieu me donnera les moyens, la première chose que je vais faire, c'est-à-dire provoquer un voyage pour aller visiter les sites touristiques. The first thing I will do is to go and visit that place. C'est un lien qui fait pleurer les gens. It is a place which makes people cry. Le pasteur a commencé à pleurer là-bas, il m'a envoyé les photos. The pastor was crying. I saw it. Pourquoi il a pleuré? Why did he cry? Pourquoi, quand Christ mourait sur la croix, when Christ was dying, les gens ne pleuraient pas. People les gens se moquaient de lui. People were mocking. Mais pourquoi aujourd'hui quand les gens vont là-bas? Why people went today to the cross? When the God is not to mourn anymore, they go to pray. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un mystère sur Dieu. Because it's a mystery with God. Et toutes les choses. La Bible dit. The Bible. Jésus-Christ était sur la croix. Dieu s'est tué lui-même. Alléluia. Amen. Tu peux croire avec moi ensemble que Dieu nous a même bombardé. You can believe with me that God killed him. Jesus Christ was not killed, but God killed him. Pourquoi Jesus killed him? Why did Jesus kill him? Parce que l'amour était là pendant beaucoup de temps. Because death took very long time. Dieu a posé la question à mort. God asked question. Mais qu'est-ce que tu attends? What are you waiting for? Pour faire l'action. To do the action. Alléluia. Action. What are you waiting for? What qu'est-ce que tu attends? Écoute une chose. Listen. La mort disait. We are going to conclude this passage. La Bible dit une chose. The Bible says, il y avait
Agar. There was a woman Agar called Agar. Était la servante de Sarah. Agar was a Sarai, a servant. Quelqu'un va me poser la question. Somebody will ask il parle question. De l'émission de la croix. He's talking mais about qu'est-ce que c'est cette avoir avec la croix? What is this Agar était la servante de Sarah. Agar was the servant mais toutes les choses. Listen. Ces deux personnes ont fait les accords. These two people that comme Sarah était stérile. And Sarah was elle a donné l'ordre. He kept the order. Agar. Elle a dit ceci. Said this. Va coucher avec mon mari. Go and sleep with him. L'enfant que tu auras. The child you shall have. Ce sera mon fils. Will be my parce son. Que je n'ai pas d'enfant. Because I'm not en your principe, une personne qui te respecte. Somebody will respect himself. Dès que Ismaël devait sortir. By the time Ishmael tout ce qu'Agar devait faire. What Agar should do is to take the child. Tu donnes à la première de qui? You give me to the première de Sarah. Ça sera le give me to Sarah according to your agreement. Mais la Bible dit. The Bible says. Quand elle était encore grosse. When she was pregnant. Il a commencé à maîtriser maintenant sa maîtresse. She's starting to disobey the mistress. Elle a oublié que cette formule-là, c'est la maîtresse qui a occasionné cela. And this is what the mistress organized. The Bible says. Sarah l'avait chassé. Sarah avec chassé la grossesse. Quand Sarah avait chassé avec la grossesse. When she was pregnant. Maintenant elle était partie dans les airs. She left in quand the elle était partie dans les airs. When she was in the woods. Elle a commencé à pleurer. She was crying. L'ange de Dieu l'a récupérée. What got you? Et l'ange lui a dit une chose. The angel of God. Et Sarah où vas-tu? Sarah, where are you going? Tu viens où vas-tu? Where are you coming from? Agar, where are you going to? Agar, where are you coming from? Agar, range à ta maîtresse. Go back. Va te mettre sous la main puissante ta maîtresse. Go and surrender under the power. Pas sous les pieds, sous la main. No, la main c'est le signe de la bénédiction. Pourquoi Dieu voulait qu'elle rentre encore là-bas? Why God wanted her to go back? Il voulait qu'elle puisse partir pacifiquement. He wanted, he didn't want her to leave that way. God didn't want her to live in anger. Écoute le message ce soir. Listen this message. Le message de ce matin plutôt. This message this morning. Bien-aimé de l'Éternel. Partout tu iras dans ta vie. Everywhere you shall go. Tu laisses la paix. You shall be peace. La paix ne t'accompagnera jamais. The Lord of the land of God will never bless you wherever you are. You can go to church. And to see where you are. You said to the pastor. Pastor. According to 1, 2, 3. I want to change the church. Hallelujah. Amen. You never can never leave the kingdom. Living with anger, you never see the kingdom. Many people, they are working with me. They have the idea of living. But looking for reasons for her to live. It's not a good thing. Hallelujah. So they go back. When she went back. Or the feet she asked for forgiveness. And God gave her a lot of promises. Which was pregnant. Because of time, I cannot go through this. Mais écoute une chose encore, bien aimé. Listen to this, beloved of the Lord. Maintenant, quand Sarah, when Sarah était grosse, was pregnant, selon l'accomplissement de la promesse de Dieu, according to the fulfillment of Sarah the promise of God, Sarah, Isaac, she had a son, Isaac. Elle avait quel âge? She was. Qui connaît l'âge que Sarah et Isaac? Who knows the age of Sarah? Amen. Non, attends, voilà. When Sarah and Isaac, Ismaël avait 14 ans. Ishmael was 14. Sarah avait 90 ans. Sarah was. Et Abraham 90. Avait 100 ans. Abraham was 100. Écoute une chose. Listen. Qu'est-ce qui est surprenant ici dans la Bible? What is surprising in the Bible? Qu'est-ce qui a surpris Sarah? What surprised Sarah? Sarah n'a jamais été surprise la façon dont elle était conçue. Sarah never been surprised the way she conceived. Alléluia. Parce que Dieu avait promis. Because God promised. Il y a une seule place dans la Bible que vous allez lire. There's a place in the Bible. Sarah s'est surprise pourquoi? Sarah elle was a déclaré ça dans la Bible. She declared it. Elle a dit, Amanda, qu'est-ce qui fait quoi? He said, who can believe? Qui fait quoi dans 90 ans? Who can believe in 90 years? Moi, Sarah. Je fais le temps pour le bébé. I can breastfeed the child. Voilà. Amen. Amen. Je voudrais tirer votre attention. I want to take your attention. Avoir l'enfant. Having a child. C'est une bonne chose. It's a good thing. C'est une bonne chose. It's a good thing. Le grand problème c'est quoi? C'est laisser l'enfant. The thing is, pas laisser l'enfant à l'âge de 90 ans. S'il vous plaît. 90 ans. At the age of 90. À l'âge de 90 ans. At the age of 90. On peut laisser tellement l'enfant. Can you? Moi je me rappelle que quand on avait eu le bébé. I believe that. Le lait maternel ne sortait pas encore. Et the thing, the coming out yet. Et on nous a retenu 3 jours à l'hôpital, 3 jours. They keep us. Elle a affecté la respiration de la femme. 3 days in the hospital. On a pas bien dit pas ça, mais c'est 3 jours. They affected
affected us because it needed 3 days. Yes. God bless you, men of God. Mais la Bible dit ceci. Avant matin, at night, pas une jeune fille. When they saw, je ne peux pas se faire à 45 ans. The man of God. And the man of God. Maintenant, tout est stoppé. When man of God. Même si matin, il ne sortira plus. According to the time which was given to me, I believe that in the time I want to finish. Amen. God bless you. Hallelujah. Amen. They gave me 10 minutes. Listen, beloved Lord. The day of the feast. Le jour de la fête, le jour qu'on devait se préparer. C'est-à-dire, l'enfant devait arrêter à prendre du lait maternel. The day of the feast, the judge was supposed to stop. Abraham et Sarah organisaient une grande fête. The breastfeed, Abraham organized a great party. Quand ils organisaient une grande fête, they organized a feast. On a invité les gens. Qui sont venus de partout. People came from quand les gens venaient de partout, when they came from pour fêter ensemble. To the Bible says, pendant la fête, at the time of pendant the la fête, at the time of the Israël, Israel. Israël. Israel did not fight. Pendant la fête, at Israël n'a pas insulté une personne. Pendant la fête, Israël n'a pas brisé les tasses. Israël never broke the covenant for the world. Il a commencé là seulement lui. Israël laughed. Israël, they laughed. Quand il a ri, Sarah a regardé la vue. Sarah saw that. Il peut se calmer. And Sarah was so angry. You're laughing, give people some anger. Your son has affected some people. God is just smiling. What does this have to do? Abraham, je ne veux plus voir cet enfant là. I don't want this child anymore. Avec sa mère, quelle partie? With the child, the child. Qu'est-ce qu'il a fait là? What did the child do? Il était chassé. He was staying away. Oh, bien-aimé le Seigneur. Beloved the Lord. Vie est devenue compliquée là-bas. Life became so complicated. La vie est devenue compliquée. Life became so Abraham a pris une cruche d'eau. Il a pris du pain. And il a donné à Agar. And gave it to Agar. Il a mis ça sur son épaule. C'est. Et avec beaucoup de peine dans le cœur. And with a lot of pain in the heart. Mon père, tu papa, ça moi, là, vous savez, vous n'avez pas de quoi savoir. And Father, for you to die. Dieu a dit, Dieu a dit, accomplis le désir. Fulfill the desire of the world. Quelquefois, le malheur est bon. Alléluia. Dieu a dit, accomplis ta possession, moi, je vais m'en aller. Say that, make it happen. On a chassé. They chased away. Agar. They chased Agar away. And selon la définition according to de ce qu'on vient lire ici, with what we read here, Ismaël était mort quel jour? Ismaël selon la définition, on a ici Ismaël était mort quel jour? Ismaël died one day.
Quel jour? The day he left. Le jour de séparation de son père. C'est la mort, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. The death is the separation. Pourquoi Sarah n'a pas de choses dans le bénin de Dieu? Sarah knew that if I die for me, elle était une Égyptienne, pour le moins jusqu'à l'année, j'ai combien de kilomètres? She was an Egyptian that lived that. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans. Children of Israel, they stayed 40 years. Une longue distance. A very long distance. Aujourd'hui, ils étaient créés une journée, c'était de 3 jours, c'est pas de vécu. Quand on va en Égypte, c'est là. Avec un peu, il n'y a pas mal de la cruche. Without anything in the water, it was on les avait chassés. They changed the mind. Mais cette femme a compris le mystère. This woman understood. Alléluia. Quel est le mystère de la femme qui a compris? The mystery. La Bible dit que the charge. Quand le pain a terminé, when bread finished, était puisé, when water finished, Hagar, elle a pris l'enfant. She took the child. Elle a déposé l'enfant. She took the child. She put the child under the bush. Oh, Jesus Christ! Un arbre, pas un arbre, un arbre, not a tree, but the word is not pushed. Aller chercher un dictionnaire en français. Un arbre, un arbre, une molette. This word pushed me to go and find a. La Bible ne parle pas un arbre, la Bible dit un arbre. The Bible didn't say a tree, but it said a bush. Un arbre, c'est quoi? A bush. Il y a la différence entre un arbre et un arbre. There's a difference between the tree and the bush. Un arbre, c'est quoi? The bushes. Et dans le temps, the tree when it's growing. On dit dès le bas âge le sol. From its young. Et comment ça fait ça? It comes with too many branches. Et bimi? It comes out. So many colors. Quel color? Le cabanier avec ça. Come with some branches. Allez le dire. The Bible says. Agar a déposé l'enfant. Agar put the child. Sous un arbre sol. Under elle a bush. Elle était plus l'enfant. And she was sitting. Je ne vois pas. Opposite to the child. Fils mourir. Said I don't want to see my child die. Alléluia. Et l'arbre sol c'est quoi? The bushes. We are seeing the mystery of the cross. Only the cross which can help. The cross is the frame which can go on the side. This was prophetic. When he put the child there, the heart of God was touched. What makes you when you go to the cemetery when your father died, you bring him inside? Because of the cemetery. When God showed him, and they took the child. Le bas, le nom qui est de la forme de la croix. They put the child under the tree with the form of the cross. And God is on the cross. They have children, miracles. Sarah, there are some people. Sarah, there are some people. L'enfant que tu vas attirer, elle s'appellera Israël. Après c'est un combo. Mais dans ma vie, moi c'est le moins qu'on a beaucoup fait. Elle sera, je vais faire de lui une grande nation, puisque la postérité de qui t'apprend. God promised that the beginning the Bible says the Bible says crying. Oh Jesus. Mais quand elle pleurait là-bas, at which was la Bible dit, the Bible says. La femme faisait quoi? Elle parlait. Mais comment elle le parlait? The child said, "I will say the la maman." The Bible says, "God la voix de qui? Pas de la femme. No. Qui a écouté la voix de la femme? Non, plutôt, la voix de l'enfant. God asked the voice of the child. Qu'est-ce que l'enfant disait? What did the child say? Nobody said. Mais seulement des paroles qui me viennent en tête. Oh, only two. The first one. Mon père, pourquoi ma Father, Father, why have you? Woo! Alléluia! Amen. Mon de gauche. Deuxième parole. Second thing. Jesus. I am Jesus. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà. C'est ça le mystère de la croix. This is the mystery of the cross. Bien maintenant, beloved, beloved. Et là, toutes choses dans la Bible. Everything in the Bible. Comme le pasteur Richard avait prêché la fois passée. Toutes choses dans la Bible. Everything même in the Bible. Même si on va dire que non, voilà, la Bible va donner tout ce qu'elle avait comme le moyen. Jésus est dedans là-bas. Can keep anything which you can do. Jesus Christ is in there. Oh, il fait donner l'offrande là-bas. Elle a donné tout ce qu'elle avait. On parle de Jésus. She brought everything she had. We talk about Jesus. Pourquoi pas Jésus? Why not? Jésus a donné tout ce qu'elle avait. Because God gave everything else. C'est ça le message. Jésus a donné tout dans tous les contextes. Everywhere in every context. Voilà, les 10 minutes on va donner, c'est terminé. The 10 minutes over. Mais écoute une chose. Listen. Dernier message, c'est quoi? Well, last message. Il y a aussi une femme mourue dans la Bible. There's another woman. La femme mourue avait aussi l'enfant. The woman la was femme aussi avait aussi une farine. This woman as a, la femme mourue aussi de l'eau. Alléluia. Et la femme aussi attendait la mort. This woman was what? Quelle est cette femme dans la Bible? What is this la Bible dit ceci. The Bible says. Elle avait l'huile dans la maison. She had the oil in the house. Elle avait la farine dans la maison. She had the mais elle manquait une chose importante dans sa vie. But what dans sa maison, ça manquait une chose.
the house, what is it? The thing she, what is it? Nobody knows. She woke up. Je vais aller chercher quelque chose. I'm going to seek quelle est cette chose laquelle cherche? What is the thing she was seeking? Quelle était la chose cette chose? What she was seeking this? Bible dit. The Bible says. Elle a vu le prophète. She saw the prophet. Elle a dit ceci. The prophet said. Femme, donne-moi un pain. Fais-moi du gâteau ou bien du pain avec la farine que tu as dans ta main. The woman give me some bread. Make me some bread with the flour. Oh Jesus. La femme a dit ceci. Oh Jesus, the woman said. Oui, ça m'a fait, je vais prêcher ça pendant un mois. Donc, vous allez prêcher ça, vous allez me dire. Mais ça me dit une chose. J'ai tellement la farine, c'est lui dans ma maison. And oil in my house. Il me manque tellement une chose. I'm getting something. La femme, deux bois. Two. Only two bois, hallelujah. Oui, la femme m'a dit ceci. J'ai tellement lui dans la maison. I have c'est ça. Écoute, quand elle a vu, elle dit. Which is all life, and life. Parce que j'ai ramassé, on dit non, j'ai ramassé. Écoute, I am picking up. Eli, Elijah. Quand la femme, écoute une chose. When the woman. So go tell the Bible. When you need to read the Bible. No, stop. You don't need to rush. Il faut étudier même les comment le temps que dit la Bible emploie. Yes. Alors tu dis, la femme a dit Eli. The Bible says. Elle dit pas j'ai ramassé, j'ai ramassé. The Bible says that. She said, quand la femme a dit when the woman saw the. Quand la femme a dit quand avec Eli. When she met him with Elijah, Elijah said, give me. Just seulement une poignée de farine. The prophet said, I have a boy. And this is two of us. Once I die, I die. But the message of the cross. Don't remember the message of the cross. Yes. You can stand up and pray. I would like that. I want this morning. Tu peux prier le Seigneur. We need to pray the Lord. Concernant la foi. According to the prophet. Il n'y a pas une grande chose. The qui peut prospérer. Il n'y a pas une grande chose qui peut toucher le cœur de Dieu. There's nothing we can. Chose qui peut toucher le cœur de Dieu. Anything we can touch. God of God. C'est la croix. It is the cross. Est-ce qu'on peut chanter un cantique de la croix? They can sing us one song. Un cantique de la Pâque. A song. Un cantique de foi. Qui peut nous amener à la présence de Dieu. We can take us to the point. Et j'ai la foi ce matin. I have faith. Pour que toute personne qui va lier ta vie. Somebody is going to link. Toute personne qui va lier ton problème. Everyone is going to link. Avec la foi. With the cross. Dieu va se rappeler de quelque chose. God will remember something. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. God will do something in your life. Je sais que tu as des problèmes là où tu es. I know your problems. Je souhaite, je t'invite à fermer les yeux avec moi. I call you to close your eyes. Sois concentré dans la prière. Be focused in prayer. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Tu as quelque chose. It says something, something God can do in your life. Quand tu parles de la croix, when you speak of the cross, je veux que tu vas lier ton problème avec la croix. I want you to link your problem. Seigneur, voici. Say, Lord, la croix est devant moi. For the cross is right before me. Tu t'es abandonné sur la croix. You were forsaken on the cross. Pour me racheter. To redeem my life. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans mon domaine. I need you to come in my mission. Selon le principe que tu as déterminé, que tu as défini cela. According to the principle you define. Et j'ai la foi que le mystère de la foi. I pray that the mystery of the cross. Le mystère de la foi va faire quelque chose. In the mystery of the cross. Nous allons chanter ensemble. We are going to sing. Et nous allons appeler le pasteur Valentin pour conduire la prière. We are going to call Pastor Valentin to lead. Nous sommes en train de chanter pour la prière. You are singing for this.